Ouais, Yacone qui dit Yakaki qui joue juste après Shepti, ça permettra de debuff une potentielle corrupte sur Boss Mickey aussi. Ça reste à voir. Ma sœur, tu as un logement près de La Rochelle pour IRL, j'ai un lit de place. Non, merci, j'ai déjà réservé la baignoire chez Anne, moi. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Allez, bon game. Alors, ça va être du classique. Full armure, une fraction probablement. Peut-être ouais. La maîtrise. Ah non, il joue en 11 geeks. Donc, il ne pourra que fraction. Petite mise en garde probablement. Ouh, Belzé qui a changé de stuff aussi là. Quel stuff pour Belzé, il a rangé sa Nevar Calister pour de la Danator à Pierroglyphe. Ah. Danator à Pierroglyphe Alliance Glorson. Alors là, c'est quand même un sacré choc ces deux équipes. Hein. Je vais mettre le nom des équipes sur. Ouais, bon, comme d'habitude, faudra inverser, il va se planter dans les couleurs. Non, dis-moi, allez, je retiens. Nous avons donc en bleu la team des Spiders et en rouge ben, les putains qu'on vient de revoir. Et par contre, là, on a vu une libération très bien pensée de la part de Gag, puisque ça empêche un Nimo ou un silence sur toute son équipe de la part de Psylo. C'est bien joué pour le moment là. Allez, un petit piège en poids. Oh là 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 là, il fait péter le piège Imo, mais ça ne retire un PM à Gag. Winry qui esquive tout. Ah là là. Attends, là il faut que je me mette dans le match. Je suis pas dans le match du tout. Alors on a Gag, Feka, on a Champy, Enitrof, Winry, Sakri et Belzé, Roublard. Hein. On espère voir des beaux murs de bombes hein, de la part de Belzé. Ah, du beau mur de bombe, bah là c'est des murs de bombe haut, donc ça va changer de la débarcalistère, à voir. Et en face, donc. Une petite belle animée pour dégager ce double. C'est exactement la même équipe que tout à l'heure, bien entendu. Holy Chef, Boss Mickey, Carton Kaki et Psylo. Par contre, Champy il est en train de s'excentrer directement là pour profiter des diagonales et des lignes de vue. Et le petit Doppel Editrof qui fait sombrer, ça fait encore quelques dégâts supplémentaires. Le Doppel qui vient taper sur Carton Kaki et un petit roulage de pelle aussi, ouais, sur Psylo. Aussi Ibin. Silo tout court. Mais par contre Belzé, ouais, ça. Le choix haut ce soir n'est pas vrai. Ça peut être un choix sympa puisque ça lui permet de mettre de l'érosion au tronc blond tout en tapant. Ouais. Puisque là, à moins de faire un gros mur de bombe qui one shot un adversaire, il va falloir foutre un peu d'érosion sur ses ennemis. Et du coup, on va passer au tour de Gag. Est-ce que Gag, il a l'air d'avoir de la séculaire aussi, là? Non, je dis n'importe quoi, il est en brousse. Ah, attends, il est où, Gag? Brousse il toujours. Gag, ouais. Le FK, toujours en brousse. Brousse, ouais, avec 0% neutre en prime. Winry, pareil, Duon 6, toujours. Par contre, il joue assez basse en initiative, Winry, là. Ouais, Winry qui joue avant-dernier. Champy, ah. Le séculaire archétype sur Champy est de retour une nouvelle fois ce soir aussi. Donc du soin. C'est pour ça qu'il s'est excentré, je pense, pour pouvoir soigner sans problème et se mettre à l'abri. Allez, Belzé qui commence la bombe à eau. Toi qui as joué Roublard, Soukou, tu vas pouvoir nous le dire, je pense que la rémission sur la bombe à eau, vu comment elle est cachée, n'était pas nécessaire. Non, pas vraiment. Ouais, surtout avec 800 points de vie sur une bombe. 800 points de vie, vu où elle est placée, la compo en face, il a un peu gâché sa rémission, il aurait pu la garder pour une autre bombe. Surtout que là, il s'est assez mal placé, voilà, Gag se retrouve bloqué par le double. Ouais, ça c'est bien joué de la part de Boss Mickey qui vient positionner ce double bien comme il faut. Limite, il aurait même pas du souffle, je sais pas. Puisque là, Winry a juste à détour pour pouvoir douleur Belzé et Gag, alors que sans le souffle. Ça va juste attirer Belzé. Ça va attirer Gag. Ben, il faut l'attirer là quand même, puisque Gag a déjà claqué sa libération. Et c'est plein de finesse. Gag, si tu avances ou tu recules, comment veux-tu que je t'en lève ton pull? Magnifique. Du coup, une maîtrise qui est lancée, un châtiment forcé. Ouais, Winry qui a probablement sorti la béchasse ce soir aussi avec le châtiment forcé qui suit. Allez, autour de Holy Chèvre qui n'a fait que du soin hein, dans le dernier combat. Est-ce qu'elle va jouer de la même manière? Bah, elle joue toujours en séculaire automail là, Holy. Donc, on risque pas de voir beaucoup de changements dans son jeu pendant le combat. Là. Et comme la Winry, du coup, a re-sauvé ses coéquipiers, on n'a pas eu de douleur partagée lancée là.
Non. Et allez, une petite guerre de Doppel. Oh ouais, les Doppel qui sont énervés. Ils s'en prennent l'un à l'autre et c'est au tour à les deux Geig de jouer. Kev invoque pas de lapin ou j'invoque Bernie. Je sais pas ce qui est Bernie, mais c'est sûr que là, les lapins, vu ce que nous a fait le lapin d'Oli lors du précédent combat, peut-être falloir éviter d'en sortir là. À la fraction. La fraction est une jolie mise en garde. C'est quoi la panneau du room? Ben, Belzé a lâché sa Nevar Calister et vu qu'il est pas 200, ben, il joue en Danator, Rapieroglyph avec l'Alliance Glourson et j'ai pas le reste en tête. C'est déjà Bernie pas mal. Bernie égale son Doppel. D'accord. Et il est encore pire que moi, Psylo, pour rename les Doppel ou les invoque. Ouais. Et hop. Le piège de silence, on me dit Bernie, c'est le dessin animé sur France 3, un culte. Bah ouais, mais je vois pas le rapport avec le combat là. Moi non plus, invisibilité lancée par Psylo. Eh Psylo, alors est-ce que Psylo va jouer au réseau un petit peu plus que tout à l'heure, puisque finalement on l'a pas vu trop sortir de réseau. Hein, dans le dernier combat. Il a fait quoi le lapin d'Oli? Ben il a peut-être deux tours d'affilée, peut-être pas de si d'affilée je crois, même plusieurs fois dans le combat. Il a spoté de la pose invite de Psylo, donc ça gêne un peu. Belfanto. Bah si Abricot, c'est la même équipe puisque les vainqueurs du quart de finale enchaînaient directement avec la demi-finale. C'est ça. On retrouve Boss Mickey, Oli, Carton et. Est-ce qu'il y a un perso en quête de soins? Ben, du côté des Pioutins, il n'y a pas vraiment besoin vu qu'ils ont l'Ichèvre. Mais on a Shempi du côté des Space Girls qui est en séculaire et type. Ben, je pense à l'Eti puisque vu la map, et l'Eti est quand même plus souple avec un panda et un SRAM en face que de placer des coups de Thanos. Allez, Carton Kaki qui soulève sa petite Enirip 7. Voilà, à bout de bras, qu'est-ce qu'il va en faire? Il la jette de côté. Ouais, le tonneau qui va attirer Belzé pour essayer de retirer quelques petits PM. Et un Doppel, le troisième de la partie. Son Doppel qui est posé et Boss Mickey qui est porté par le panda. Il balance carrément Boss Mickey. Ouais, bah il faut attaquer même s'il y a une grosse compo en face. Mais Carton Kaki est un peu loin pour placer des souillures encore là. Oh, et Belzé qui esquive quand même la perte de 3 PM. Hein. Il perd qu'un PM, il y a toujours 5 PM pour se déplacer, ouais, Belzé. Mur de bombe direct. Tu crois qu'il va faire un mur direct? Oui. Mur direct pour l'IB Boss Mickey? Oui. Bah non, là, ça va être trop tard. Il aurait pas dû passer par là. Surtout s'il rajoute... Ok, ouais. T'as pas l'air fan, là, du roublabot deuxième tour. Ouais, wow. Non, il va charger les bombes petit à petit. Enfin, pour essayer. Je comprends pas bien là. Pourquoi est-ce qu'il a sorti le roublabot? Pour repousser Boss Mickey. Pour repousser Boss Mickey, ouais, et maintenir ses bombes en vie, probablement. Mm-hmm. Par contre, il y a le Doppel Pandawa qui est au milieu du chemin. Ça empêchera Boss Mickey d'être repoussé encore plus. Ah, ouais, c'est le Doppel. Carton Kaki avait prévu cette action. Il a contrôlé son Doppel. Il a lui dit de se mettre là, et puis c'est tout. En fait, j'adore votre façon de commenter. Bah, c'est sympa. Ouais, on merci. Fait ce qu'on peut. Et allez, c'est à Boss Mickey, justement. Boss Mickey qui revient au charbon. Il lâche rien. Un petit bon pour revenir dans la zone de combat. Il lui reste 9 PA. Peut-être un peu d'érosion sur Belzé. Voilà, des petites pressions. Une deuxième, une troisième probablement pour finir son tour. Voilà, ouais. Du coup, Belzé, il a de l'érosion de chargé. 40% d'érosion. Ça va, heureusement pour lui. Les deux dernières pressions ont crit. Donc, il y a 2 fois 20%. Alors, Winry qui est gêné par le double de Psylo, là. Ou alors, il y a toujours une coop qui est peut-être possible. Ouh, et un nouveau Doppel. C'est vraiment, le combat des Doppel, sérieux. Hein. Quatrième Doppel. Un détour pour pouvoir se détacler, probablement. Et le Doppel va s'occuper du double, voilà. Ouais. Oh, mais... Là, aucune des deux équipes essaie de prendre de l'initiative, là, ça... Il y a Carton Kaki qui a tenté un petit rush immédiatement contré par le roublabot. J'ai l'impression que les Space Girls, ils ont peur encore là ce soir. Ils misent tout sur leur mur de bombe. Ouais. Et voilà. On parlait de rémission qui aurait dû être gardée. Bah, oui, on a la preuve. La bombe hein, du coup qui passe et qui casse les plans de Belzé. Belzé, tu me déçois ce soir encore. En plus, il l'a dit lors de son combat, il aurait dû garder pour rémission la deuxième bombe. Ouais.
Ouais, mais ils ont changé leur ordre d'ignée aussi, puisque normalement, Gage joue plus loin dans la timeline, et normalement, Gage armure la première bombe qui est posée par Belzébub. Donc là, c'est tout un changement total de stratégie de leur part. Et allez, hop, une mise en garde qui est lancée. Oh là là, ça va continuer le spam mise en garde. Oh, ils sont quand même assez en difficulté là, je trouve. Moi, j'arrive pas à voir vraiment qui. Pour le moment, là, je suis indécis. Je suis vraiment indécis. Tu trouves que les bleus sont en difficulté, toi? Ils ont l'air d'être assez désordonnés en début de combat. Regarde, Winry a joué 2 tours. Elle a quasiment rien fait. Premier tour, elle a fait 2 attirances. Là, elle s'est châtiée, a invoqué un Doppel et la détour. Gage, il sort déjà les mises en garde. Ils suppriment le corps à corps sur tout le monde, donc ils vont pas miser dessus. Ils ont déjà perdu une bombe à eau. Et il y a Psylo qui va se régaler. Là, il est en train de poser tous ses pièges depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Là, je crois qu'il nous fait un réseau. Je crois qu'il nous prépare un petit réseau. Oh là 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 là. Et surtout, il éloigne Belzé de ses coéquipiers. Il l'éloigne de sa bombe à eau. Petit réseau style Bouygues Télécom, là. Hein. Non. Non. Non, non, il est pas pourri, son réseau, là. T'as pas le droit, hein, t'es sérieux. Allez, à Champy de jouer. Champy qui lance donc sa. T'appelles Fanto sur petit Boss Mickey. T'appelles Fanto, ouais. On débuffe quoi? La puissance? Il avait une puissance, ce Boss Mickey? Il lui restait. Je sais même pas ce qu'il lui restait. Ou une corruption lancée dès. Eh ouais, obligé de lancer la corruption directement pour pas que Belzé se fasse encore plus isolé par Carton ouais. Kaki. Voilà, ça montre encore qu'ils sont mal en point. La Corrup, ils auraient préféré la garder pour le tour de colère. Du coup, ça va forcer Gage à Trève, Imu ou autre, là. Eh oui, oui, oui. Et le Doppel qui fait bien son travail, c'est au tour. Les deux cartons. Kaki qui, du coup, C'est pas son tour avec la Corrup. Son tour, ouais. Oh là là, allez, on va encore Belzé qui s'attarde dans sa Vitamax à Belzé. Il a l'accélération pour revenir vers ses coéquipiers. Heureusement pour eux. Ouh, allez, voilà, ouais, on fait pas mal, le tromblon. Par un tromblon. Voilà, je disais, ça permet de mettre de l'érosion et de taper en même temps, là. Petit allez, tromblon, hein, qui est quand même bien sympathique. 422 de dommages. C'est plaisant. Et Bombao posé, il prépare. Ça va être l'entourloupe, là. Ça va être le mur de bombe direct sur Boss Mickey. Et voilà. Ouais, par contre, Boss Mickey, allez, 2 épées d'Iop. Il va limite faire sauter toutes les bombes. Comme ça, ils seront tranquilles. Bah ouais, du coup les bombes qui sont plutôt bien exposées et Boss Mickey va pouvoir s'en affranchir dessus. Ouais, sauf que là s'il fait une épée d'Iop, il touche aux lichèvres, il aurait dû les faire avant de bouger, je sais pas. Ah, il va en tuer qu'une du coup, hein. Oh, enfin il tue la plus grosse. Ouais. Et voilà, ça y est, il a plus que 2 PA, hein. Peut-être une petite flamiche pour terminer son tour. Wow, bon, ça fait toujours quelques, tout petit peu de points de vie en plus de retirer. Et allez, du coup, là, les bombes, on sait très bien que cette team mise tout sur les murs de bombes, mais s'ils arrivent pas à en caser, ça va être très dur pour eux de gagner, là. Même si Boss Mickey a déjà perdu quelques points de vie. Faut faire attention, puisqu'il est resté, il a terminé son tour aligné à une bombe. Ouais. Oh oui, ça pourrait lui coûter un petit peu. Ouais, mais aussi. On est au tour 3 aussi, on n'est pas au tour 4. C'est la bombe qui vient de tuer, était sous rémission. Allez, Winry qui vient soigner Belzébub, et ça s'accélère un petit peu là, puisqu'il attire Boss Mickey. Boss Mickey qui prend un pied du sacrieur et on l'isole avec un petit détour. Oh là là, il s'est vraiment mal placé là pour terminer son tour, malheureusement. Là vraiment, Winry qui vient de couper le soin d'Olichev. Hein. Olichev qui pourra pas soigner Boss Mickey, il a pas ligne de vue. Et il y a Gage par contre qui vient de déconnecter. Oh là là, le Feka qui bug le tour de Coco. Heureusement pour l'espace, il s'est reconnecté. Ouais, ça y est, de retour. Et allez, un mot de prêve pour réduire un petit peu les dommages sur Boss Mickey. Et oui, 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 là il est au centre des débats, Boss Mickey. Il va prendre cher, à mon avis, dans les prochains tours. Plus que 1700 vita. Surtout qu'il a de l'érosion avec le tromblon. Ouais. Mais il va falloir préparer l'esquive de colère là. Oh là là, Gage qui rebug. Oh, le combat. Est-ce que le combat va jouer sur une déconnexion? Et Olichev qui est quand même un peu fair play, qui attend un petit peu pour passer son tour. Et il est revenu, Gage. Ouais, j'espère pour l'Espace Guerre qu'il va pas rebugger juste après. Ouais. Ah là 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 là, attention. J'espère qu'il va avoir le temps de jouer son tour. Là, c'est déterminant. C'est le tour de la Coco. Le suspense, c'est vraiment.
à son maximum là. Gay qui ne joue toujours pas. Il joue pas. Allez, Gay, il faut que tu joues. Oh non. Gay, allez. Oh, c'est dur. Il doit être en train de se reconnecter. Là, Gay qui ne joue toujours pas. Il doit être en plein lag. Allez, une petite trêve avant de. Allez. Je crois qu'il a rebug. Oh là. Et du coup, Bosmi qui est au milieu de tout le monde pour placer sa colère. C'est dur pour les bleus. Oh là 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 là. T'as pas le droit de troll ton meneur là quand même, c'est méchant. Oh là là, ça c'est dur. Ça c'est dur comme quoi, même pour jouer à Dofus, il faut s'équiper d'un bon PC et d'une box qui gère. Et il revient Gaïa, hein, mais c'est trop tard, son tour est passé. T'as là qui m'a dit, faut pas qu'il se reco sur le mauvais serveur. T'as pas le droit de troll ton meneur là, c'est méchant. Oh là là, ouais, Gaïa là il s'est reconnecté, il peut rejouer. Et du coup, t'as Psylo qui passe à l'attaque. Tu qui se réveille sur le chat. Quoi? Elle se réveille. En plus, il a déjà utilisé sa corrupte lors du tour précédent. Ah, c'est dur pour eux là. Mais cette colère est évitable encore. Oui. Ouais, tu sais pas comment, mais bon. Ouais, si, bien sûr que si, c'est toi qui sais pas. Bah, voyons. Attends, je suis en train de réfléchir justement comment il peut éviter la colère. La corrupte est sortie déjà. Ah non, mais même avec une libé, la colère ira sur Gay. Ah là là, ouais. C'est vraiment Gay qui a pas joué son tour qui les handicape. Non, parce que si Gay avait été un peu plus vers son équipe, une reski qui enlève un PA Bosmikis, mais d'une libération et d'une bombe poudrée, il a pile poil le nombre de PA pour. Et le sac animé qui est sorti quand même. Ils vont essayer de se sauver comme ils peuvent. Ouh là là, t'as HMP qui sauve la baraque et que c'est de retraite anticipée, mais ça contrarie un peu leur plan, là. Ouh là 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 là. Heureusement pour eux qu'ils ont leur sac animé. Allez, carton qui finit cette cavotte. Heureusement qu'ils ont un ennu pour se protéger, là. Ouais. Ah, il manque quelques PM à carton kaki pour aller choper Shempi. Ah ça, ils vont quand même bien s'en sortir grâce à cette retraite anticipée. La colère ne va pas passer. Oh là là, et la stab, et ça joue bien là en ouais. Plus. On en fait la libération et de la stab. Mais il y a le sac animé, donc ça fera une coucou sur le sac. Coco sur sac. Ah mais Coco sur le sac animé, c'est... Ça serait dommage là. Ah, on l'a vu pendant le Goulta, hein. Le dernier Goulta. D'ailleurs, il y a un code loterie que nous avait donné Sylphane pour les streams, pour diffuser aux viewers. C'était un petit troll, c'était Coco sur sac, il me semble. Non, je sais oui, avec le... Je sais même plus, il y avait tellement de conneries. Belzbu, il va devoir partir. Allez, hop, la rapière au glyphe, ça ouais. Tape toujours sur l'insoi. La Coco, en une pression et une concentration, il ne tuera pas le sac animé. Ah oh là là, l'épée céleste qui ne suffit pas. Ouais. Ah, il va être obligé de recharger la Coco sur le sac animé, c'est dommage. Oui. Ça se joue à pas grand chose, hein. 229 points de vie, sac animé. Ah là 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 là. Bon, en même temps, un gag qui avait bugué, hein, donc ça permet de compenser un petit peu. Ah mais bon, ils ont été obligés de sortir leur retraite peut-être plutôt que prévu. Oh là là, et les concentrations, il le fait sur la mauvaise personne là. Il fait les concentrations sur la mauvaise personne là. Ah là 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 là. Petit dégât, il se déconcentre un petit peu, hein. Leur plan qui tombe à l'eau. Et il recharge même pas la Coco, c'est ça je comprends pas. Attends, il a pas rechargé. Ouais. Non, il a pas rechargé. Oh là là, et sa Vitamax qui ne cesse de descendre avec ses tromblons. Allez, Winry qui sort sa béchasse. Et on reçoit le sac animé au transfert de Vita. Ah ouais, donc ça tient bon là, des deux côtés, vraiment. Ouf, ça tient bon, et c'est quand même en difficulté avec Bosmiki qui est bien encerclé, on va dire. Ouais, mais Olisha va trouver un moyen d'aller le... Ouais, mais là, sur le long terme, c'est sa Vitamax qui va descendre, quoi. Et ça y est, le sac animé qui y passe, Olichèvre qui le tue hein, assez facilement à l'épée et à la flamiche. Il a quand même dû se faire un mot de jouvence pour virer la retraite. Ouais. Allez, Gag, il va pouvoir rejouer, mais là, sur retraite, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il y a la sortie d'armure aussi.
Ouais, on prend Patrice. L'immunité. L'immunité qui sur est blasé. lancée. Il était safe, je l'aurais peut-être pu encaisser quelques coups. MP encore son équipe. Bah oui. Et l'aveuglement qui ne passe pas sur carton. Il évite tout carton. Ça, c'est pas un pendant en carton. Hein. Je vais pas la relever, celle-là, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, Psylo, il a 0 PM. Il peut poisse belzer et puis bah, c'est tout à la limite, lui charger un poison, ouais. Ça, tu dois être déprimé. Hein. Ouais, non, j'ai vu pire. Allez, du coup, ils sont tous regroupés dans la même partie de map, là, sur ces deux petits castes. Ça se tape dessus comme on peut. Mais il va falloir quand même sauver Boss Mickey, là. Et allez, autour de Shempi. Shempi, pareil, 0 PM. Oh là, il a aucun adversaire à porter. Quelques roulages de pelle. Ou oh, alors un coup d'archétype sur Winry. Ouais, du soin, la boîte de Pandore. Si elle n'est pas sous mise en garde, donc elle n'est pas sous pesanteur, Shempi. Ouais. Oh, le coffre à nid, on essaye vraiment d'enfermer ses adversaires et de les bloquer un maximum. Ah ouais, non, mais ça c'est très bien joué, Olichev, là, qui va être un petit peu gêné par ce coffre. Et voilà, ça tape quelques dégâts supplémentaires. Ouais. Les Doppel qui continuent, enfin le Doppel Ennu va perdre la bataille encerclé d'un Doppel Pandawa et d'un Doppel Ennu Ripsa. Oh oui. Et là, carton kaki, il va falloir qu'il fasse le ménage, là. Allez, carton, c'est à toi. Carton qui se dirige vers Winry. Et voilà, on le soulève, Winry. On va s'en débarrasser, hop. Ouais, mais il va falloir sauver aussi Boss Mickey, là. Oh, et voilà, carton kaki. Ah, on était pas passé sur les restes de carton kaki. Ouais, et... Il l'a... Ouais, ce que j'aime bien, attends, si se dépicole, je crois qu'ils ont exactement, carton kaki, Shempi, ils ont exactement le même stuff et les mêmes résistances. Je crois qu'ils ont exactement le même stuff, les deux, là. Ouais, non, mais c'est vrai. Ah, les fixes sont pareils, si t'enlèves les résistances de picole, ouais. Ça fait moins 25. Les deux ont exactement le même stuff. Ah là 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 là. Et l'archétype, bah, le problème, bah, l'archétype, ça soigne Boss Mickey, mais en même temps, là, vu qu'il est sous Tromblon, ça diminue un peu sa Vitamax. Ouais. Et bon, fallait quand même le soigner. Et hop, une resquille qui est sortie, sort qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la resquille qui tape en même temps deux adversaires. La maîtrise qui est lancée ouais, par Belzé, et c'est au tour de Boss Mickey de jouer. Boss Mickey qui va se diriger... Oh, vers Shempi. Il va aller chercher Shempi. Oh, il va recharger la coco sur Shempi, il est obligé, là. Et oui. Voilà, la coco qui est rechargée sur Shempi. Ouh, précipitation directement. Ah, carrément, précipitation. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, là, vu que c'est Shempi qui a le cake de soin. Ouais. Allez, c'est à Winery de jouer. Winry, bah il y a les transferts, bah, il y a de quoi protéger, mais bon, il y a même pas de corrup, il peut pas s'auto-corrup pour se soigner. Ouais, que va nous faire Winry du coup là? Winry et Psylo qui est toujours invisible. Non, Psylo qui est là. Psylo est bloqué ouais, depuis non, un moment là-haut. Là. Et alors, ça continue à taper sur Boss Mickey. C'est clairement le focus de cette équipe des Spy Girls. Ouais. Et Belzé qui est sous immu. Ouais, ils sont vraiment bloqués, Psylo et Olichev, voilà. Bah, heureusement que Olichev va pouvoir tuer le coffre animé et ouais. Sortir de là pour dégager la voie à Psylo. C'est sûr. Heureusement que... Il lui suffit d'une peur aussi, donc... Heureusement qu'elle joue avant, quand même, Olichev. Hein. Ça permet de dégager comme ça une ouverture. Et un petit peu de soin sur Boss Mickey. Après, ouais, Boss Mickey, ça en parle aussi en canal équipe. Il joue bien, bonbon melon. Windry a toujours le sacrifice à dispo aussi. Et un petit Modibo sur Geek, ça ne lui retire qu'un PM. Allez, au doppel. Ah, le doppel qui est hésitant.
Allez, ça vient soigner, ça tape toujours un peu, hein. Ça tape Champy. Quelques dégâts en plus, c'est toujours ça de moins à faire pour son équipe. Allez, okay. La relance armure. Ouais, ouais, ça y est, armure. Oui, la relance armure, et du coup, Belzé est à découvert là. Et oui. Est-ce qu'ils vont continuer de taper Champy ou est-ce qu'ils vont aller cac Belzé? Pfff, renvoi de sort, mise en garde. Ouais, il a de quoi tenir quand même, Belzé. Ah, y a de quoi, bah, avec cette compo, c'est très compliqué de tuer un adversaire, quoi. Ouais. Sacrifé, quoi, tu rajoutes un ennemi avec le sac animé, la corrupe et tout, voire même la retraite qui leur a vraiment sauvé sur ce coup, là. C'est clair, oui. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de jokers dans cette team bleue. C'est sûr. Autour de Psylo, il va pas pouvoir faire grand chose, voilà. Tout comme un piège de silence. Le mortel. Il s'amuse. Il est sérieux, Psylo, là? Mais non! C'est quoi ce yo-yo de répulsif? Il est énorme, Psylo, sur ce combat encore. Et Champy qui vient débuff un tour sur Boss Mickey. Bah, et... c'est quand même une fanto à double tranchant, là. Alors, une fanto à double tranchant, pourquoi ça? Bah, ça retire un tour de vitalité à Boss Mickey, ouais. Mais aussi, ça lui retire 25% d'érosion du tromblon. Ah oui, oui, oui. Mais bon, la Vitamax de Belzé est quand même mal en point, là. Il a plus que 2000 de Vitamax. Ouh, et la maladresse de masse qui passe bien, ça fait mal. Ça fait mal, 9 PA seulement pour Carton Kaki. Oh là là, Carton et Boss Mickey, chacun moins 2 PA. Bah. Sur Carton, c'est pas vraiment grave puisqu'il peut se debuff. Ouais. Non, c'est moins 2 PA sur Boss Mickey pour 3 tours. Les PM de Boss Mickey, par contre, qui sont boostés par le pendant cul. Non, il est quand même pas 5000. Belzé, je sais plus combien il avait. Mais ça a perdu la Vitamax des deux côtés. Mais Boss Mickey est quand même plus mal en point que Belzé. Oh oui, oui. Alors, on essaie d'isoler Champy comme on peut. Allez, c'est reparti sur un débat sur est-ce qu'un sacré c'est shit ou pas. Allez, c'est à Belzé, justement, de jouer. Belzé qui recommence à poser une petite bombe. Oui, c'est vrai que ses murs n'ont pas été encore très efficaces. Il aurait peut-être passé à l'action, la Belzé. C'est vrai qu'il avait, avait 5000. Bah, vu que ses bombes avaient 800 points de vie, ouais. Il a vraiment armé la Vita à fond. Bah, c'est descendu du vide des deux côtés avec toute l'érosion. Ouais. On a surtout vu le tour de Silou. Il s'est vraiment amusé, là. Il y a aussi une petite aimantation sur la bombe à eau. La rague pour essayer de gêner Psylo. Oh, gêné, pas vraiment. Et les points de vie qui continuent à descendre avec le piège de silence. Il a des fourvoiements sur lui. Donc ça tape sur la Vitamax. Ouais. Allez, on tue les bombes là. Dit aussi. On ne prend aucun risque. Et on se recache. Il faut quand même le souligner. Hein, qu'on peut peut-être oublier, mais il y a le tour de Gay qui est un peu. Bah, qui fausse un peu le combat quand même. Et hop, voilà, on prend pas de risque non plus. Ouf. C'est ça, ils ont tellement de jokers pour protéger le sacrifice qui est sorti. Puisque ouais, Carton, il peut pas tout faire, il peut pas debuff, il peut pas faire de placement, il peut pas vulner, il a pas 20 PA quoi. Ouais. Allez hop, allez, là, la ragne qui sert comme de régène. Et allez, c'est parti pour le spam folie. Et l'épée qui vient s'attaquer au tonneau. Le Doppel Sacré, il en a marre, il tue la rage de son coéquipier. Allez, va falloir soigner ou faire quelque chose de la part d'Oli. Ah, Oli Chèvre, il est sympa, il vient rendre son tonneau à Carton Kaki. Oui, voilà, oui, oui. Un mot de régène chargé sur Boss Mickey, ouais, il est quasiment full vita. Mot de régène, ça soigne sur la durée. Ouais, ouais, Boss Mickey qui va petit à petit récupérer sa vitalité tranquillement. Allez, tue un peu les invoques, désinvoque au moins, ça fait toujours moins de soutien de folie pour Winry. Et ce Doppel qui continue à taper. Oui, Gay qui a fait toutes les armures sauf là-haut. Donc le Doppel se fait plaisir.
C'est clair, et c'est justement à lui de jouer Geig. On n'a pas vu trop de glyphes non plus, hein. Est-ce que... Bah, en même temps, là, il n'a pas trop de moyens de... Bah, surtout qu'il a bug, il y a eu un glyphimo, c'est ouais. Tout, ouais. Et après, bah, s'il pouvait... Ouais, il peut peut-être avoir au moins Boss Mickey et Oli Chèvre hein, dans un glyphe. Ah bah oh, oui, TP. Ça va les taper directement. Ouais. Heureusement pour Boss Mickey qui n'a plus d'érosion, mais ça fait, oh, ça fait comme de la force en moins avec ses retours du bâton. Ça fait aussi ouais, du dommage. Hein. Il a surtout une Vita de chargée, donc au prochain tour, il perd quasiment 1000 points de vie. Ouais. Allez, un petit poison incision, on va continuer à taper sur Belzé malgré le sacrifice. Là, avec... clairement, il y a deux focus, hein, c'est Belzé et Boss Mickey. Hein. Quoique. Champy était aussi un petit peu focus tout à l'heure. Ouais, mais ça se neutralise un peu des deux côtés, puisqu'on a côté Spider, bah on a, ils ont misé leur DPS sur les murs de bombes de Belzé, et de l'autre côté, de la part des putains, c'est sur Boss Mickey. Et ouais, les bombes de l'un sont immédiatement neutralisées par les concentrations de l'autre, donc ils peuvent pas taper là. Ça, ouais. Ça pionce pour le moment, j'ai envie de dire là. Ça pionce un peu, ça. Même si Boss Mickey a perdu pas mal de Vitamax. Une chance qui lui permet de détacler automatiquement le Panda Wasta. Alors, on se rapproche, peut-être cherche une petite ligne de vue. Ouh là là, la maladresse qui ne passe pas du tout sur carton kaki. Et voilà, on en veut à Boss Mickey, là. Des roulages de pelle. Oh, est-ce qu'il va rebalancer Champy sur le Wasta? Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, une souillure là qui est lancée sur Champy. Et ouais, peut-être. Avec le petit vertige en prime, tiens. Ouais donc Champy. On s'en débarrasse de Champy. En même temps, bah, il peut faire que ça de son tour, quoi. Ils sont tous en train de s'annuler leur tour les uns les autres, là. Oh, une maîtrise qui est lancée. Et le Doppel, ouais, il n'y a pas d'armure haut, donc les Doppel tap comme ils peuvent, ça fait toujours des points de vie en moins. Ah bah c'est sûr, hein, Champy, hein, qui... Winry, qui prend quelques dommages. Ouais. Et allez, une botte pour virer le double de Psylo. Ah, un petit piège sournois, mais bon, les dégâts sont transférés sur Winry et ça la châtie. Et on dit que la maîtrise de carton kaki n'est pas montée. Ah ouais. Ah, c'est quand même... Ça peut être gênant, ça. Une bombe à eau qui a été posée à cet endroit de la map. Ah, ça permet surtout de délock Champy du Wasta. Ouais. C'était ça le plus important, vu que Champy a déjà utilisé sa chance. Il va profiter du bonus de puissance au prochain tour. C'est sûr, allez, c'est au tour de Boss Mickey. Donc Boss Mickey qui lance une vitalité, mais qui malgré ça est à peine à 2000 points de vie. Et il a pris beaucoup d'érosion, hein. Et bah ouais, c'est bah ça joue sur l'érosion ce combat, on l'a bien vu. Et du coup bah on lâche Belzé pour passer sur Gay. Changement de focus comme ça au 7ème tour. Aïe. Ouais. Ça reste quand même dans tous les cas une team ennemie contre une team sacrée, quoi. Ah bah c'est sûr. Allez, c'est à Winry. C'est à Winry de jouer. Allez, Winry. On va pas pouvoir faire grand chose non plus. À la limite, repartir à l'assaut de Boss Mickey pour essayer de finir au plus vite. Il va falloir faire attention à ce que Geig rebug pas pour la prochaine colère quand même. Ah oui. Et oui, il revient sur Boss Mickey. Hein. Et voilà, la méchasse qui fait mal. Aïe, Boss Mickey est quand même en très grande difficulté. Surtout qu'il va se prendre les dégâts du Doppel Sacrieur. Ah oui, là ça devient dur. Théoriquement, il est mort, hein, Boss Mickey, avec sa vitalité à 919. Ah non, le Doppel, il change artificiel. Artificiel qui peuvent être debuffés par les pelles fantômes de Champy. Allez, c'est à Oli Chèvre de jouer. Oli Chèvre qui va encore passer son tour à sauver Boss Mickey, probablement. Ouh, c'est risqué ça. On donne 2 PA à Winry comme ça gratuitement. Et de beaux mots de sacrifice, un petit soignant. Et il récupère 2000 d'Evita à Boss Mickey. Ouais, mais offrir 2 PA comme ça à Winry. Ouais, c'est prendre, de prendre des risques. Ah bon, on va bien voir, mais
Surtout Globe LZ en train de recharger ses bombes tranquillement. Bah, ses bombes, ça bombe pour le moment. Allez, Gay qui essaye de revenir. Et ça continue. Les retours sur Psylo, on lui vole de la force à lui aussi. Psylo aussi, hein, qui a plus que 2682 points de vie. Hein. Petit à petit, là, le combat qui est en train de prendre une tournure. Et la trêve qui est lancée carrément par Gaïk. Bah, la trêve, oui, puisqu'il y a la coco de Boss Mickey ce tour-ci. Ouais. Vu le placement, c'est dommage, mais l'érosion est hyper facile. Bah ouais, ça va être de l'érosion gratuite, mais ouais, c'est ça, ils prennent vraiment aucun risque. Enfin, ils peuvent se le permettre, vu leur compo. Hop, ça continue, du coup, Psylo qui continue au poison insidieux. Invisibilité. Invisibilité. Et surtout, cette trêve, ça garantit un tour de survie à la bombe de Belzé aussi, même si elle est assez éloignée du combat. Oui. Mais les poisons, c'est moyen vu l'érosion qu'ils pouvaient mettre. Ah ouais, bon. Enfin, on va bien voir. Allez, Champy qui lance donc une pelle fanto sur Belzé. Sur Belzé ? Ouais. Ils ont voulu lui dire, ils lui ont débuff quoi là ? Bah ouais, ils lui ont débuff. Ça débuff le sacrifice, mais ça débuff aussi un tour de piège en poids et de poison insidieux. Qui sauteront au début du tour de Psylo. Ouh, la maladresse qui ne passe pas. Elle ne passe pas du tout. Sur Stabi, c'est un peu normal. Ouais. Ah, c'est comme ces Koyos, ça aime bien essayer de retirer des PM sous Stab. Allez, c'est un carton. Un carton, qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Il va falloir qu'il fasse quelque chose pour essayer de... Une carotte. Bah, pour assurer qu'il... Ouais, suivant la pose du WhatsApp, mais bon. Bah, il va se placer des deux façons, il va être bloqué. Ouais, c'était pour assurer, ils sont en train d'isoler Belzé, ça empêchera une aimantation sur la bombe pour redébloquer Champy. Mm-hmm. On va balancer le double. Ouais, voilà, on va essayer de bloquer un maximum. Essayer de taper un peu avec cette sortie de trêve. Allez. Bah, non, non, puisqu'il a. Normalement, les cocos, c'est 1, 4, 7, 10, mais comme il a fait 1, il a rechargé au 5, bah, la relance est maintenant au tour 8. Oh, et le retour de Gay, bah, Gay qui rebug à nouveau. C'est dommage, ça, hein. Ça va peut-être leur coûter cher, hein, de. Et pour mes deux. Belzé. Il fait un trou. De l'héros sur le double. Ah, de l'héros sur le double. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il a pas le droit. Ah, il aime peut-être pas ce double, hein. Enfin, il vient de péter 5 PA, là. Ouais. Il aurait pu facilement se déplacer avec une botte puis aller où, à l'endroit où il veut. Ouais, ou une aimantation ou autre. Il a clairement gâché son tour, là. Allez, autour de Boss Mickey, là, va y avoir une pression, une coco, probablement sur la Vitamax de... Oh, oui, de la coco sur la bombe pour la tuer direct. Ouais, à voir. Je pense qu'il va plutôt jouer ouais, l'érosion, comme tu dis, Master. Allez, une petite... pression, et voilà, coco, érosion. 500 sur les roues, ouais. Ouais, c'est toujours ça de prix, mais bon. Ouais, finalement, c'est vrai que ça va être important d'avoir les fourvoiements de Psylo. Ouais, c'est surtout que la coco tape pas fort, puisqu'elle a quand même le malus 230 force de Gag. Boss Mickey, ouais, qui a pris des retours du bâton. Ah, Psylo aussi en a pris, voilà, allez hop. Un transfert de vie, on soigne. Allez, Gay qui a encore été déco, et ça va être bientôt son tour là, hein. Il faudrait pas qu'il passe son tour une nouvelle fois. Et du même coup, il vient de montrer où était Belzébuth, là, sacré. Il a trouvé Belzé ? J'ai pas vraiment. Bah, il était touché par le transfert de vie. Donc, la seule chose possible, c'est la cause du beau. Ah oui, pardon. Non, tu disais trouver, j'étais reparti sur Psylo en invisible, c'est pour ça que je comprenais pas. Donc, quand même. Ouais, donc, Belzé, on sait où il est. Non, bah là, ça va être méchant vers les deux équipes, c'est. Et vu l'heure, quand ça m'endormir un peu, ça pionce, là. J'ai encore un goût. Ils veulent sur Brumaire, ils veulent vraiment pas que je tombe mon Goultard ce soir pour essayer de faire un chrono. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça commence à pioncer un peu, là. Hein. Bon, ben, allez, va faire tes chronos, là, parce que toi, tu l'as pas encore fait. Ouais, mais va te faire refaire tes chronos en commentaire avec Soukou, y a pas de soucis, hein. J'ai la flemme.
C'est jusqu'à quand ça ce qu'on peut. Dimanche. Dimanche. Dimanche, ok. J'ai la ce truc-là, j'ai pour habitude et tradition de le taper dans le dimanche à chaque fois. Donc, ouais. J'ai essayé, hein, je l'ai fait en 50 tours. Ouf, putain. Bah, c'était un essai, je connaissais pas du tout le principe des épées et tout là. Donc, et du coup, bah, je vais peut-être le retenter, tiens, avec. Il y en a bien qui en focus le double sur le prisme feu d'Allah. Non, faut pas revenir là-dessus, Abricot, c'est tabou. T'as pas le droit de dire ça. C'est quoi cette histoire? Non, moi, je veux savoir, là. Ouais, non, tu n'en sauras rien. C'est toi, Master, tu as focus un double, c'est ça? Non, pas moi, mais j'ai dit une connerie, et du coup, il y a Runeo qui allait taper le double avec son SRAM. D'accord. Mais bon, ça nous... Une erreur qui, heureusement pour nous, bah, ne nous a pas fait perdre. Ouh là là, et Psylo qui, voilà, il vient à bout de la bombe et l'érosion sur Shempi. Shempi, mine de rien, s'il n'y a plus que 1600 de vita, là. Ouais, ça descend vite. Boss Mickey et Shempi sont plutôt mal en point. Un mal en point de chaque côté. Focus Leader qui me dit 14 tours ou rien. Vu ma motivation pour farmer ce mob, ça m'étonnerait que je fasse du 14. Allez, c'est au tour de Shempi justement de jouer. Shempi a pas trop de solutions là. Ah non, il est bloqué depuis un moment car ton Kaki l'a bien isolé. Là, il a Psylo à son corps à corps, il va faire quelque chose. Et là, il te jette en merde. Ah, la petite ponctuation de fin de phrase. Voilà. Allez, hop, une petite libération. On va essayer de virer Psylo. Et ouais, mais du coup, hein, il est... Il est quand même un petit peu taclé par ce panda. Oh là là là, une nouvelle déconnexion de Gay qui s'est reconnecté juste à l'instant. Le sac animé pour essayer de se sauver, la maladresse. Ouais. Par contre, Shempi ne passe aucune maladresse ce soir. Non, on va laisser Carton Kaki de jouer. Carton Kaki qui se déplace pour venir taper et Spotted. Bah Spotted, non, Spotted, sous quoi expliquer pourquoi c'était sûr que Belze était sur cette case? Ah, à cause du transfert de vie qui l'a soigné. D'accord. Voilà. Ah oui, ok. Et on continue le vertige. Il n'y a plus de bombes. On va placer dans le côté du double, ouais. Voilà, normal. Allez, Blast Tap pour essayer de conserver ses PM, probablement. Et une petite flamie sur petite le cake. Flamie, on finit ses PA, c'est normal. Hein, il faut pas les gaspiller. Ah, le record aux uns, il y a 14 tours pour le moment. Bah, tant mieux pour celui qui l'a fait. Bah, à mon avis, c'est pas moi qui. Cette année encore, ce sera pas moi qui aura le meilleur nombre de tours. Ça, c'est clair et net. Il y a des gens qui ont fait le truc en 14 tours. 14 tours, le Goultard, ouais, là j'ai fait avec un Doza, tours. Ouais. Oh là 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 là. Suku a fait 14 avec son steamer aussi, je crois, c'est ça, yo? Oui. Il manque les stuff niveau 200, bah, surtout le niveau 200 pour pouvoir foutre les gros stuff et passer en dessous la barre des 14 tours, malheureusement pour lui. Oui. Donc attends, les masters, du coup, t'es pas sûr de faire un masque 14 tours, c'est quand même ardu, non? Ah non, mais c'est... Je les ferai pas, les 14, moi. Vu ma vitesse pour jouer et la flemme de taper ce mob, je vais me contenter d'un 16 ou d'un 17 tours, si c'est pas plus, hein. Ah oui? Mais t'es sûr de te qualifier avec 16 ou 17 tours? Moi, je serai au moins dans les 5 premiers chronos, je pense. Ouais. Mais j'aime vraiment pas farmer ce mob. J'ai jamais aimé jouer rapidement. D'accord. Allez, par contre là-haut, oh là là, Shempi, il se booste à fond la puissance de la précipitation. Boss Mickey qui tape sur Belzébu, du coup, on a Belzé d'un côté, Shempi. Eh, hey, ouais, les Space Girls qui sont très mal en point. Ouais. Non. Les pressions, après les concentrations. Ouais, c'est ce que je dis. Non, il a pas le droit de faire une pression après deux concentrations, bordel. Il aurait dû faire l'inverse. Ah bah ouais, mais là, c'est. Ouf. Ah, ça pique. C'est pire qu'un Xelor qui dévoue en début de tour. Hein. Master, c'est à la flemme. Ouais, ça se tient, j'ai envie de dire. Allez, Boss Mickey qui encaisse là les coups de la béchasse de Winry. Un petit pied du Sacrieur juste derrière. Oh là là là, là c'est. Fou, Soaking qui nous dit bonne nuit. Voilà, ça va, les premiers vont pas tarder à arriver. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques tours de flottement, mais ça commence à se réveiller un peu. Ouais, là j'ai l'impression que ça se débloque un peu. Bah non, l'épreuve de rapidité pour un roublard, c'est encore à part sur le Goultard. Ouais, des roublards, on fait 5 tours, mais. Oui, roublard et hop, c'est selon la même chose. C'est roublard, c'est pire, parce que Goultard marche carrément dans les murs de bombes pour suicider. Ah ouais, carrément. Ouais, oui. C'est magnifique. Hein. On me dit. Pourquoi on me dit de le taper en incarnation pour faire un record tour? Là, je comprends pas. Y'a quoi comme magouille avec les incarnations encore là?
C'est pas grave. Et du coup, il y a des soins qui reviennent sur Buzz Mickey. Shempi est mal en point. Bah, on a Winry qui est encore full vita, mais il peut pas tout faire en même temps, là. Shempi est mal en point. Buzz Mickey a récupéré pas mal de vitalité. Et est-ce que les rouges seraient pas en train de prendre l'ascendant là sur le match? Oui non, puisqu'il y a quand même, 1800 de vitalité là sur Shempi avec ses deux vita. Hein. Oh là là, et Psylo qui continue avec les repérages, ouais. On vient rebloquer Shempi. Et on profite surtout d'une très belle zone au fourvoiement. Shempi, oh là 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 là. Et là, on a qui passe derrière. 800 points de vie. Ouais, là, ça devient critique pour Shempi. Ah, clone, ouais, c'est peut-être pas évident de le faire marcher dedans, mais enfin, une fois, c'est comme un solotage de Freeze, une fois que t'as la technique, ça va tout seul. Et du coup, Shempi qui est bloqué une nouvelle fois. Ah, les Dag Wilkinson. Ouais, enfin, vu les paliers agis de Loza, je préfère encore le faire en full intel. Mais bon, ouais, une fois que tu connais la manie pour faire rouler le Goultard dans tes murs avec un roublard, c'est comme le duotage de Freeze. Je sais pas s'il y en a qui ont fait les duotages de... Ben, les solotages de Freeze même, mais... Quand je vois qu'à la fin, mon meilleur chrono, j'ai tout soloté tout seul avec un Xelor en 24 tours, quoi. Et ouais, et les Nitrofêtes Champy, là, hein, du coup, qui ne s'enfuit pas bien loin et qui en a profité pour taper sur Psylo. Ah, c'est marrant pour les Vagalames. Si. Ouais. Ben, les Vagalames, vu qu'il est en séculaire, carte séculaire et type, il est plus en... Oui, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé la pour Champy. Les Spicegirls qui perdent leur archétype. Ouais. Une classe soutien à Steph Cooper, bah, vu le palier aux ors, enfin, on verra bien. Mais j'ai pas de Wilkinson niveau 50. Puisque ouais, t'as dit incarnation niveau 100, mais c'est pas ce niveau 50, on va que les incarne. Si, je sais plus. Donc les spies hein, qui sont en train de dominer un petit peu. Non, pas les spies, c'est les putes, pardon. C'est les putes 1. Oui, il va se planter à chaque... Oh, sérieux. C'est vraiment parce que j'ai l'impression d'entendre Az quand tu dis ce genre de truc. Parce que je faisais exactement les mêmes erreurs pendant le Goulta. Et du coup, ça tape. Et Belzé qui fuit. Et ouais, là, il a plus que 200 de vita quand ses vitalités sautent. Mais ça va, il n'y a plus le debuff de Shempi. Ouais, oh, niveau requis, c'est 100. Je pense que j'ai dépassé le niveau 100 avec mon Oza quand même. Faut pas déconner. Ah, à vérifier quand même. Hein. Ouais, qui sait. Ouais, c'est vrai, en fait, je suis que 90 et chaque année, j'up 200 sur le serveur tournoi, quoi. C'est moi qui te prête le stuff, mais ça, faut pas le dire. Ouais, pré-inter-serveur, bien sûr. Bon, et ça tape sur Boss Mickey encore et toujours. Il y a la prévention pour réduire. Ouais. Et du coup, on pourrait peut-être avoir un joueur rouge qui tombe hein, aussi. 1600 Vitamax, Boss Mickey. Aïe, 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 aïe. Il a 1600 Vitamax. Ouais, mais il a 1700 vita max, ses vitalités lui donnent 1800 de vita quand même. Ouais. Et qui est vraiment très très mal en point. Mais bon, sur le long terme avec le soin. Même s'il perd Buzz Mickey, sur le long terme avec le soin d'Olichèvre, il devrait s'en sortir. Ouais. C'est vrai qu'ils ont cet avantage là d'avoir une petite Enirip 7 avec eux. Allez. Olichèvre qui vient essayer de tuer la bombe à la bombe. Non, pourquoi tu parles, Fox, pourquoi tu parles d'hérétique? Il est banni ce nom-là aussi. C'est comme Kodo. Non, pas Kodo, merde. Varad, voilà. Non. Hérétique est un gros rageux. Bah, ouais, non, on va pas retourner là-dessus quand même. Pourquoi, sinon, pourquoi on va encore tu dis que Varad est un rageux? Un rageux. Je dis que c'est un rageux, non, j'ai pas dit Varad est un rageux, mais son pseudo est banni du stream. Bah, rappelle-toi, c'est lui qui nous a fait peur sur une soirée de la Major Duel Guild. Ah ouais, t'es sûr que c'est Varad? Tout le bordel sur les matchs. Oui, c'est Varad. D'accord, je me rappelais plus de ça. Si. Non, je parlais de rageux, c'est je sais plus qui, c'est Nucléaire, je crois que. Non, c'est Folk Leader qui parlait d'hérétique, mais bon. Ah oui. On va pas reparler de lui, sinon on va dire que je suis méchant. Est un peu triste. J'ai mélangé des pseudos, je m'excuse auprès de Kodo. Allez, donc on a la relance d'armure de Gay qui va essayer de sauver Belzé, même s'ils sont dans une situation très délicate. Et la venteuse, la terrestre. Pas d'incandescente, hein. Ouais, c'est. Ouais, Gastouzé, je viens de le préciser, puisque même s'ils ont le soin de Winry, ils ont quand même assuré le coup avec un étype sur carton kaki.
Allez, Psylo qui revient à la charge. L'aurait pu pour se rapprocher de Winry, probablement. Oh, sans doute, oui. Sans doute, et ils vont essayer de... De se la faire à deux, Winry, là. Hein. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr, ouais. Et on retape un peu à l'arnaque. Oh là là, la Psylo et ses coéquipiers qui sont en train d'avoir la main mise sur ce combat. Et du coup, carton kaki, le pendant cul. Oh là là, ça va venir vulner ou carrément souillure, non. On va venir taper sur Winry. Les vulner probablement. Parce que les vulner, mine de rien, un tour 11. Eh, il y a la coco de Winry, là. De Boss Mickey qui revient aussi. Oui. Oh, oui, ah, c'est bah, vrai, oui. Winry va peut-être c'est peut-être la fin. Et oui, ouais, en plus les vulnés qui sont lancés par carton, aïe, la coco qui approche à grands pas, et c'est Winry qui est au corps à corps de Boss Mickey. Puisque Gag n'a rien fait, je crois, pour éviter cette coco. Non, il me semble pas. Il a lancé une vue sur... Ah ouais. Non. Belzébuth, mais... Ouais, bon, vu la place de Belzébuth... Winry a juste reçu une mise en garde. Mise en garde qui vient de se faire debuff. Voilà, Winry n'a plus que 3200 points de vie. Est-ce que Belzé va pouvoir faire quelque chose pour éviter cette colère? Pff, avec le bon coco de dispo, ça m'étonnerait. Ah, la reski peut-être? Ouh, l'explosion de bombe plus roule la botte. Ouh, ça va, ils vont s'en sortir quand même là. De justesse, mais ils vont éviter la colère. Allez, roule la botte qui est sorti par Belzé pour repousser Boss Mickey. Okay. Et ça va tirer, voilà, Winry. Oh, le piège. Ouh. Et du coup, va y avoir le souffle coco. Oh là là là. Alors ça, c'est cool. Je vais avoir ma coco de la soirée. Boss Mickey qui se rapproche de Winry. Et voilà, le souffle qui est lancé. C'est la coco. Petit quand même coco. À cause des retours du bâton, mais ça fait plaisir. C'est une coquillette. Hey, Boss Mickey, 519 de vita max. Pas énorme. La coco juste avant de... Bah, une punition, puis il est mort. Et voilà. On se retrouve en 3 contre 3, mais je dis quand même GG Psylo là avec le sournoi encore. Ouais. Oh là 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 là. En même temps, il y avait juste besoin de le pousser vers son double, c'était vers le double sacré, c'est tout. Ouais, c'est suffisant, mais bon. Ah, il s'est un petit peu soigné, Winry. Surtout que vu qu'il jouait juste directement derrière, ça changeait pas grand chose pour les dégâts qu'il allait recevoir. Ouais, et double kita, faut quand même faire attention là, on est de retour en 3 contre 3. Et oui, ça se rééquilibre un petit peu. Et c'est un match qui dure, hein, vraiment. Ça fait plus d'une heure là, qu'ils sont en train de jouer. Attention, Oli est capable de faire quand même pas mal de dommages. Peut enfin taper. Je crois qu'il n'entendait que ça. Ouais. Allez, ça continue du coup du 3 contre 3. Oh là là, Winry qui est quasiment morte. Gag va devoir faire un petit miracle, surtout que Gag là, il a gâché une immunité là aussi. Toujours RDS de possible. Double qui bloque pour faire le bouclier qui fait que ou autre chose. Allez Gag. Allez, autour de Gag. Ça reste compliqué parce qu'il y a Psylo, ouais, le RDS, ça va sauver du tour de Psylo. Ah Gag, full Vita là. Ouais. Ah, Gag est full Vita, mais... Sur le long terme, avec le soin d'Olichef qui est quand même toute sa vita max, Belzé n'a pas de bombe de poser. Ils sont condamnés, les Spice Girls. Belzé a moins de 2000 points de vie aussi. Il a pris de l'érosion aussi, Belzé. Hein, donc... Et ouais. Et allez. Donc c'est au tour. Probablement aller taper sur Belzé comme il peut. Et oui, Belzé... carrément le double panda. Pourquoi ça? Je sais pas, il va peut-être essayer... Il y a quand même le RDS sur Winry, je sais pas. Ouais. Ou peut-être juste faire le ménage d'une invoque. C'est curieux, ouais. Ça tape sur Belzé. Et oui, Belzé qui encaisse les coups, ou Belzé qui se trouve à 1312 points de vie. Est-ce que ce serait pas la prochaine victime, là, Belzé? Puisqu'il a quand même tué son propre Doppel là. Ouais. J'ai pas compris là pourquoi il a. Ah non, ça va être Winry la victime, voilà, la souillure pour debuff RDS, les kits de bois qui les souffle, les points enflammés, je vais faire tous les sorts sous somme du panda. C'est fini, allez, hop. Pour Winry.
Et c'est le deuxième mort de ce combat. Ouais. Petite souillure pour terminer sur Belzé pour retirer un tour d'armure et de bouclier Feka. Et Nucléaire qui nous dit il n'y a pas de bon Steam. Si, il y a celui à Suku. Mais bon, je ne sais pas si vous parlez d'un serveur en particulier. Ah si, ça parle d'Elmonster apparemment. Et allez, allez, la rapière. Rapière Pif, oh là là, Psylo. Si Psylo a perdu pas mal de points de vie aussi, mais bon, il y a Holy Chef juste derrière pour soigner. Je vois un Vorap qui dit en canal d'équipe, ça casse les couilles, pendant en multi, n'empêche. Bah, pas qu'un peu. Allez, c'était Holy. Oh, et Holy qui va pouvoir lancer encore quelques mots sur Belzé. Peut-être, finalement, peut-être soigner, ouais, elle a raison. Hein. Psylo est assuré au maximum. Mal. Ouais. Oh là, pff, 608 au mot de sacrifice, normal. Longue vie à la panoplie séculaire. Oh là 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 là, c'est vrai. C'est vraiment n'importe quoi cette pano quand même. Et voilà, Psylo qui se retrouve quasiment full life hein, après avoir presque trépassé. Et hop, les retours du bâton, ça continue. Oh là là, la vita de Psylo redescend très vite par contre. Ouais. Mais bon, est-ce que Belzé va survivre aux assauts de Psylo plus carton kaki? Que ouais, là, carton kaki, il va perdre un peu de force de frappe avec la sortie de Zaito, là. Ouais. Et ouais, Psylo aussi, hein, qui a pris deux retours du bâton, il a un petit peu moins de force. Et Psylo, on l'a pas vu cac encore une seule fois, je crois. Ah, il tape à l'arnaque, c'est pas de soucis. Il nous planque quoi comme corps à corps bidon? Pas de soucis, je sais pas du tout. Il me semble pas l'avoir vu cac. Ah si, je sais, une pelle Xa. Non, je déconne. C'est un peu private joke, c'est là, vu qu'on parle d'Elmonster à côté. Et là, c'est pas de ma faute, c'est vous qui avez poussé, on dit, Racine Floribonde. Pour la régène, à la limite, ouais. Petit coup d'archétype, hein, de carton kaki à juste plus 1063 points de vie, hein, c'est... Bah, voilà, l'archétype est quand même assez aléatoire. Ouais, et une souillure sur Belzé. Belzé, finalement, qui a survécu hein, à Psylo et Carton. Vous m'avez dit qu'il fallait. Eh, c'est vous qui en parlez sur le chat Twitch, c'est pas moi qui ai commencé ce soir, alors arrêtez de me tout remettre sur le dos. Quoi donc? Me parler d'hérétique. Ah. Alors, tous les messages qui comporteront le nom hérétique seront modérés par la grande Tutu. Ah bah elle en a du boulot là depuis tout à l'heure je crois. Oui mais elle le sait, voilà, c'est pour maintenant, on les prévient. C'était méchant là. Et allez hop, on tape sur Belzé, Belzé qui n'a plus que 400 points de vie. Oh là là, sa descente est sur, il ne pourra pas rejoindre un nouveau tour là. Et ça va se terminer par Gay qui est encore full vita mine de rien. Ouais. Oh, il n'a pas été trop touché, ouais Gay, hein. il est tranquille. Et cette équipe des Piutes, est-ce que j'ai bon? Belzé du côté des Piutes, et non, c'est l'inverse. Non, les rouges, c'est les Piutes, on est d'accord. Ah oui, tu vois, ouais, t'as meilleur. J'allais dire cette équipe des Piutes qui est en train de se qualifier pour la grande finale. Surtout qu'ils vont gagner deux matchs d'affilée là ce soir. Ah, ça retape. Psylo, mine de rien, il à peine soigné, repère sa vita directement. Et voilà, le fourvoiement qui vient à bout de Belzébub. Il ne reste plus que Geg. Bah, il fait exprès de sortir son corps à corps. Des daguerris, coup critique à zéro. Ouais, on comprend pourquoi tu voulais pas le sortir, Psylo. Tu aurais pu nous épargner ça. Non, il l'a fait exprès pour moi. Je lui ai demandé au MP de cac. Ah là 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 là. Il y a As qui nous dit la Dana c'est de la merde quand on voit la Sinistro Fou. Bah ouais, mais malheureusement la Belzé il est que 199 donc il peut pas mettre de Sinistro Fou. Oui, ouais, témoigner moi aussi. Il y a un Steamer qui s'emmerde avec sa Dator sur Silhouette aussi, je crois. Bah ouais, mais on n'a même pas le temps de le pec. Ça. Je voulais l'XP un peu cet après-midi sur Steamer. J'ai eu le temps de faire un combat et là on me dit go venir à tel endroit, faut prendre le territoire. Bah j'y suis allé. Et bim, Geig qui prend une petite flasque explosive et. Ouh, la rencontre, Holy Chèvre. Oui, le Molotov lancé par Holy Chèvre. Allez, on veut en finir vite là. Et le coup d'épée automail. C'est n'importe quoi le Molotov aussi, mais sérieusement. Un ennemi qui fait du dommage.
Surtout que le Molotov est pas débuffable, c'est ça le pire. C'est quoi le nom du Steam? Ah non, ça parle encore d'Elmonster. On a dit stop. Et y a tutu, elle s'est endormie, je crois. Non, elle est là, à moitié. Ah, le steamer, le premier silhouette, bah c'est Soukouchou. C'est notre caribou préféré. C'est Soukou qui a fait le meilleur temps en steamer sur silhouette, oui. Enfin, il n'y a pas full de steamer là sur silhouette quand même. Ah, oh, le beau gosse, c'est Soukou. Il a un bon sponsor, on va dire. C'est le CDO son sponsor, c'est ça? Et toi, arrête d'essayer de foutre ta pub n'importe où. Non, c'est plus Sakiolo, il a redaigné mon Soukouchou. Il a repris le pseudo de son roublard. Et allez, ça tape à la flasque. Gay qui n'a plus que 1200 points de vie. Allez, la relance de Zaito. On va venir taper au point enflammé. Ah, mais ouais, les temps sont longs de Sakiolo, c'est pas encore modifié, d'accord. This is the end pour cette équipe. Oui, Oli qui va probablement Spice terminer Girl avec un DP Automai. Ah, la petite frayeur et le coup d'Automai pour la fin. Ah oh, non, on finit tranquillement. Ouais, c'est normal, Oli a peur de ses cacs, évidemment. Ouais. Et donc ce combat qui est terminé, et bah soirée 100% putain ce soir. Ouais, 100% putain. Deux victoires, un vaincu ce soir. Hein, et il se qualifie pour la finale. Il va falloir les suivre hein, pour la finale, parce que là, ça annonce du gros. Hein, ça annonce du gros. Ouais, une team mini en finale, c'est sûr, c'est surprenant. Ouais. Ah là là, et du coup... Et du coup, moi je sais pas, je propose à Psylo s'il veut venir. Pourquoi faire? Pourquoi... Ah, pour l'interview, une interview? Oh là 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 là. Eh, vu l'heure, ouais, non, je crois que vu l'état de l'aide, on va couper le stream maintenant. Ah, je suis pas en forme là, j'ai une dure journée. Et... Heureusement, les viewers sont compréhensifs et ils sont toujours aussi présents, mais oui, pas de soucis, tu as invité Psylo et. Ah, si il veut quoi. T'as quoi en ami en règle générale avec l'aléator? Ah, ouais, ça c'est un peu une question conne vu qu'il y a l'ami dans la panoplie d'Anor. Ah là 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 là. Bah, un peu déçu, bah non, il s'est passé bah, ce que j'ai dit il y a quelques soirs. Ils ont tout leur jeu, ils ont reposé tout leur jeu sur la même stratégie sur les murs de bombes de Belzé. Et quand ça marche pas, bah ils perdent tout simplement. Comme Elmonster au dernier Gultar. Ouais, bon, t'avais dit qu'on parlait plus d'Elmonster, même si la transition est bien placée. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Psylo alors? On se le fait ou. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec Psylo? Bah, du coup, il m'a donné son Skype. Okay. On lui dit d'inviter Carton, si on va peut-être juste faire Psylo pour ce soir, là, vu qu'il est déjà assez tard. Alors demain c'est 17h par contre les viewers, hein. Demain c'est vendredi, à la sortie du lycée, à la sortie de la fac, vous foncez chez vous et vous venez regarder la deuxième demi-finale. Hein. En même temps le lycée un 4 juillet, je crois qu'ils ont fini les cours depuis un moment. Hein. Ah voilà, ouais, Psylo, ben, je l'ai sur Skype moi déjà, c'est vrai. Je l'appelle. Sert à rien. Ah non mais attends, si je l'appelle sur une autre conversation, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô, vous êtes là les gars? Est-ce que vous êtes là? Oui, Ad, je suis là. Non, non, excusez-moi, j'avais lancé une autre conversation avec Psylo, donc ça peut pas le faire du tout. Alors, où est-ce qu'il est Psylo? Je vais le grouper, ça sera plus simple alors que tu fasses une... Non, c'est bon, je l'ai groupé, il est là. Ah, c'est moi qui l'ai groupé, mais c'est pas... Bon. Salut Psylo. Salut Psylo. Ah, il y a une deuxième voix derrière. Ouais, c'est ma copine ça. T'as la couille. Ah ouais. Ouais, c'est sympa ton petit surnom, Psylo. T'as vu? C'est à force d'entendre Kevin, Oli Chef sur Skype, du coup, elle parle comme lui. Ah, je sais pas si c'est une bonne chose de déteindre sur Oli quand même. Ouais, attends deux secondes parce que je coupe le. Voilà, c'est bon. J'avais un écho. Mais c'est peut-être pas une bonne chose que tu passes autant de temps sur Oli, si elle commence à déteindre sur lui, ça va pas le faire, hein. Ça commence à m'inquiéter. Et ouais, du coup, bah, dure soirée pour vous ce soir, même si vous êtes en finale.
On a enchaîné ce soir, mais bon, moi on était dedans pour les deux matchs. Ça nous permettait d'enchaîner. On avait surtout préparé le deuxième match au final. Et ce qui fait qu'on a fait se faire surprendre sur le premier. Bah, ce fameux Lapineau qui a failli vous faire mal encore aussi. Ouais, et je lui dis à chaque fois à Olichev de ne pas l'invoquer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tête de mule, c'est ça? Ouais. un petit peu. Là, on vous entend un peu mal. Attendez. On va laisser Psylo régler son micro. Ouais, ouais, un petit peu de temps pour que ça se règle. Il a l'air d'avoir un aussi beau micro que le mien. En fait, j'ai pas de micro. C'est ça. Ah, d'accord, c'est le micro intégré. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez, j'ai l'impression que vous avez eu plus de facilité pour la demi-finale que la finale, même s'il y a eu un peu de frayeur. Ouais. En fait, pas du tout. Comment dire, la demi-finale, si tu veux, on l'a pris un peu à la. Enfin, non, le quart de finale, on l'a pris un peu à la légère. Dans le sens où ils n'ont pas de heal, même si on s'attendait à un archétype. Ah, ils n'ont pas de heal, ils n'ont surtout pas d'héros, ils n'avaient surtout pas d'héros. Voilà, c'est ça. Du coup, on était assez tranquille à ce niveau-là, même si au final, on a été un peu à moitié surpris par X-One avec sa ceinture de classe, ce qui fait qu'il tapait quand même pas mal en zone. C'est mais, sûr, mais. Sinon, c'était assez tranquille, même si on a eu un mort, parce qu'à la fin, on l'a joué léger. Enfin, voilà, vous êtes voilà, relâché. Voilà. Ce qui vous a aidé aussi, c'est leur placement après le rollback. Vous avez pu attirer au tonneau tranquillement, empêcher la réarmure. Mais en fait, justement, le truc, c'est qu'on voulait espérer un deuxième rollback. J'avais fait un réseau sur une case de rollback. Et c'est pour ça qu'on a un peu sacrifié Boss, parce qu'on espérait justement qu'il tenterait un rollback comme ça pour le fun. Donc, finalement, ouais, coup, pour le spectacle. Voilà, du coup, Boss est mort bêtement. Ouais. Bon, c'est passé quand même. Et puis sinon sur la demi-finale, on a. Franchement, les 4-5 premiers tours, on a balisé quand on a vu la vita de Boss descendre en flèche. Ah, on a commencé à se dire bon. Boss a quand même fait une très grosse erreur de placement. Bah, en fait, non, c'était laquelle, celle où il part dans le coin avec Belzé. Non, juste après qu'il ait tué la bombe sous rémission, il s'est replacé pour se refaire attirer directement. Oui, c'est ce qu'on lui a dit en fait. Le nombre de fois sur le coup. On était un peu justement dans la panique parce qu'on se disait putain, faut tuer les bombes. Ouais, c'est vrai qu'on vous a senti un peu déboussolé. Ouais. Bah, dès le début, on savait très bien qu'il fallait qu'on tue les bombes à chaque fois. Et ouais. Au final, on a cru qu'on allait être dépassé au début. Du coup, on était un peu sous la panique. Ah, après, En fait, là, ce qui nous a fait du bien, c'est qu'au final, on a réussi à. On partait clairement pour tuer Belzé en premier, en fait. On s'était dit, bon, bah voilà, une fois qu'ils perdent leur force de frappe, c'est bon. Et puis au final, comme on s'est dit, bon, à mon avis, on va commencer un rush, ils vont s'en douter, ils vont chercher à protéger. Du coup, on s'était dit, en deuxième cas, on essaye d'avoir Champy avec. Ouais, Et au final, on a réussi à avoir les deux. Voilà. Et au final, vu qu'on a réussi à avoir les deux, en même temps, les descendre plus ou moins à des vitas assez conséquentes, bah, ça allait tout seul. Et puis après, on a réussi à isoler Champy, à le rendre beaucoup moins efficace. Donc du coup, ça a été beaucoup mieux. Ouais, ça a été très, très beau, très belle opération. Hein, j'ai envie de dire aussi, heureusement que le Wastad Carton s'est mieux comporté au deuxième combat que sur le premier. Oui, c'est sûr. Ouais, non, vraiment, belle opération Champy qui a été neutralisée 3-4 tours d'affilée. Là, vraiment bien joué de votre part, ça. Hein. Oui. Bah, ce qui vous a fait du bien aussi, c'est le bug de Geg au tour 4. Bah ouais, non, ça j'avoue, franchement, on a été un peu déçus là-dessus, bon, parce qu'on s'est dit, voilà, du coup, derrière... Ah, ça ternit un peu la victoire, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Après, bon, au final, ils ont réussi à contourner la courbe, c'est sûr que ça leur a fait sacrifier un sac animé, ouais. Mais ils ont quand même réussi à ne pas se la prendre, donc bon, ça... Puis en sachant que de toute façon, au pire, il aurait fait, enfin, je sais pas ce qu'il aurait fait, peut-être une nuit ou une trêve, je me souviens plus. Il y avait la trêve dans tous les cas pour assurer, c'est sûr. Voilà. Je serais donc de toute façon, même s'ils utilisaient le sac pour contrer la coco, il restait d'autres possibilités après derrière de se protéger pour différents trucs. Donc au final. Et pareil, sur ce tour, c'était un choix de pas recharger la coco directement ou c'est Boss qui a foiré? Non, c'était un choix. Mais je t'avoue que je sais même plus pourquoi on a décidé au début. Il demandait s'il rechargeait la coco. Après, on lui a dit non, la recharge pas. Puis, d'accord. Du coup, si pareil, une team ennemie en finale, bah, même d'un tournoi, que ce soit bah, en Goultar, c'est ce que j'ai vu, même sur les tournois comme ça, sur les serveurs, c'est très rare, quoi. Ouais, c'est vrai que bah, c'est... Ça fait un moment que je me bats, justement, pour avoir la team ennemie. Parce que, enfin, depuis qu'on parle du Goultar sur le serveur, parce que je sais qu'à la base, c'est une team dont personne veut. Je trouve que nous, sur notre serveur avec Olichev, on a un excellent ennemi, c'est sûrement un des meilleurs inter-serveurs qui soit. Et je trouve dommage, en fait, d'en faire une team poubelle. Et pour moi, je trouve que bien associé, une team ennemie peut être très forte. Bah, et je trouve que cette association-là,
SRAM, Diop, Panda et Nid. Ouais. Même si c'est une association classique, si elle est bien jouée, elle peut être efficace. C'est une compo classique, connue, mais de rien, si c'est bien joué, avec les capacités de placement du SRAM et du Panda, et les capacités de rush et de fourvoi du SRAM et du Diop, ça t'assure quelque chose de bien. Ouais, surtout, toi, tu t'amuses avec tes pièges. Ouais, un peu. Que à un moment, t'as fait du yo-yo au piège répu, le piège pour permettre de placer la coco. Ouais. Alors, remporter le tournoi, ça peut être un bon moyen pour vous hein, de prouver que cette team n'est pas une team poubelle, hein, justement. J'espère que vous y arriverez. Clairement, là, le brumulateur, c'était clairement pour afficher chacun. En fait, on a chacun nos idées de team, du moins dans les. Ouais. Dans les joueurs de tête du PVP. Ouais. De Brunner. Donc, et en fait, les trois teams qu'on avait envie de montrer, parce que on n'a pas de. Enfin, pour la team Zeller, on n'a pas trop les joueurs qui suivent. On a des groupes Zeller et tout ça, mais on manque sur certaines races de. Enfin, du moins, tu sais, de mecs qui PVP quotidiennement qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui fait qu'en fait, on partait surtout sur nos trois teams, à savoir la team Ozan, la team Sacrée, la team Ennemi. Et en fait, c'est à peu de choses près les compos qu'on a là. Compo Sacrée, compo Ennemi, ce sera ces compos-là, donc les deux que vous avez vu ce soir. Uh-huh. Et en fait, la compo Ozan, c'est celle de Varro. Donc avec Kakashi, Varro, ça, sauf qu'à la place d'un Yop, ce serait un Eka Flip, normalement. En exclusivité totale ce soir, vous avez en direct les compos de Brumaire pour le prochain guitare. Ça, c'est du beau spoil. Pour moi, c'est pas un spoil. Parce que de toute façon, faut pas se mentir, en face, les serveurs, ils vont pas faire leurs équipes en fonction d'un seul serveur. Bien sûr, ça, c'est clair, ou alors ça sera. De toute façon, une composition, généralement, ça se fait soit au feeling, aux affinités entre les joueurs, et puis chaque serveur ont leur point de vue sur le PVP. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de possibilités de compos intéressantes. C'est vrai que maintenant quand tu as mis des persos tu peux vraiment faire trois bonnes équipes pour le Gultar, mais malheureusement on peut pas se cacher, il y aura forcément une équipe qui aura plus de difficultés que les autres quoi. Ça clairement, après, moi c'est mon point de vue, je trouve que sur nos compos à nous, enfin les compos qu'on pourrait voir, je trouve qu'elles sont pas forcément équilibrées chez nous, même la team Zeller, c'est sûr qu'elle est désavantagée par rapport aux autres. Ça te fait un Z, ça dit Zoban SRAM, on n'a pas beaucoup comme ça. Moi, perso, je trouve que déjà, le fait d'avoir le Xen et Sadie ensemble, c'est pas inintéressant parce que niveau en frappe, ça aide pas mal. C'est le top et ça empêche les équipes adverses de jouer avec l'évanescent ou. Voilà, exactement. C'est l'avantage de là-dessus. Ou l'entrave. Non, c'est pas l'entraveur, non, c'est évanescent et que c'est quoi l'autre? À chaque fois, j'oublie celui-là. Je sais plus. Les deux gros trophées malus et retrait d'esquive, quoi. Mais sinon, moi, je trouve que c'est pas inintéressant. C'est sûr, il faut avoir les joueurs qui suivent et tout ça. Mais... C'est clair, t'as beau avoir la compo que tu veux, si les mecs savent pas jouer, ils savent pas quoi faire, compo est morte. Depuis le temps que je suis le Gulta, avant, en tant que joueur non optimisé, je regardais parce que je suis un grand fan de ce tournoi. Le nombre de fois que j'ai pu voir sur des serveurs et tout ça, notamment sur mon ancien serveur, sur celui d'origine, Silos, le Chavouet sortait, ouais, cette compo-là, c'est la compo ultime, on va gagner le Gulta et tout ça. Ah, c'est vrai que le Street Silvos Gultar, il est assez chaud à chaque année. Oui, le jeu de Silvos, c'est assez intéressant. C'est pas Freeman qui modère ça, justement? Blue Fire, vous l'avez vu, passer une dédicace, d'ailleurs. Mais non, franchement, je trouve qu'il n'y a pas forcément... On peut pas dire à l'avance, voilà, telle compo va gagner le Gultar. Tu peux le dire... Si, une compo, ça, c'est tout. Voilà, tu peux parier sur un pilier. On faut pas se mentir, c'est pas mal que Gunpa, ça jouera soit sur une compo Osa, c'est excellemment bien joué, soit sur une compo Sacrière. Puis bon, après, ce qui rentre en compte, c'est vraiment les skills de chacun, les chances, n'importe maintenant, avec l'absence des OC, le côté chance, c'est un peu. Voilà, ça va, il n'y a plus de cette année, ouais. Et par contre, on a une question, je pense que tout le monde, même nous, même ceux qui sont pas de Brumaire, ce qu'on a vu, t'as l'air d'être vraiment au petit à fond et voir même le meilleur SRAM de ton serveur, et en deuxième SRAM, tu verrais qui? Justement, c'est ça le souci, c'est qu'en fait, sur Brumaire, on a vraiment un chien de SRAM. C'est pas pour me vanter, mais oui, je suis, en termes de PVP, je suis le seul à PVP. Il y a un deuxième SRAM. Je pense que depuis le début du tournoi, et même lors du premier Brumi, tu nous l'as prouvé. Après, ça fait des années que je joue, depuis que je joue dessus, c'est ma SRAMette et j'ai jamais joué à un autre perso, donc c'est vraiment. Sera magie peut-être en deuxième SRAM. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Sera magie, je me souviens de lui aussi. Il a participé au dernier Brumi, non? Sera magie. Ouais, il est pas mauvais. Il a pas la même outil que moi. Après, moi j'ai certaines aides qui font que voilà, je suis au-dessus. Ouais. Je vais pas mentir, sans les amis que j'ai sur le jeu, j'en serais pas là. Mais faut pas se mentir, il y a quand même un mec qui m'a filé 200 millions gratos. Comme ça.
Ah ouais. Juste parce, juste parce que je l'avais battu, j'étais pas opti à ce moment-là, c'est machin, oh, tu mets les opti, voilà. Mais Stramagie joue bien, mais le souci c'est qu'apparemment il sera pas là. C'est pour vous. Gloombox, je sors sur Silou, ça dit Team Poubelle, il voulait me punir du Rakid de l'année dernière. Du coup, j'ai un ami IRL qui joue Stram aussi depuis des années. J'aimerais bien essayer de le faire pour juste que j'arrive à l'aider à se stopper au moins pour la sauvegarde. Ah, y a plus beaucoup de temps, c'est sûr. Après l'épreuve de rapidité, ça peut être fait demain, c'est pas un souci. Je prête le stuff pour faire l'épreuve de rapidité, voilà. Ce qu'il faut. Mais bon, après, même niveau stuff, on arrive toujours à se débrouiller quand on a suffisamment de connaissances. Pour l'épreuve de rapidité, il faut la motivation pour aller le taper. Oh, ça va vite. Moi, je l'ai fait les 2-3 premiers jours, j'étais tranquille. Oui, c'est ça le mieux. J'ai fait le premier jour, je voyais, je tournais à tel nombre de tours. Attends, le troisième jour, j'ai vu que le record au niveau des tours serveur, c'était 14 pour les SRAM. Bon, bah, je me suis dit, je me fixe le 14 et je m'arrête là. Ouais. Je suis vraiment le seul qui a la flemme de taper ce truc-là ou quoi? Oui. Non, je te rassure, Champy aussi avait la flemme. Il est motivé aujourd'hui, hier, je commence à avoir ras-le-bol. Ah, je voulais le taper soir, mais là, vous allez vous faire des combats d'une heure. Du coup, vu l'heure, c'est même pas sûr que je le tape ce soir, tiens. Et c'est vrai qu'on a fait des combats, c'est bon, c'est ça. Bah, du coup, ouais, maintenant. Une team 7 XL, forcément, on perd du temps, avec en plus un crack qui joue aussi à la ralentissante. Et derrière. Sur la compo en face, c'était pas tout pour la vitesse de les deux compos que vous avez affrontés. Bah, c'est quand même du sacré, c'est dur. C'est dur de tuer quelqu'un, c'est sûr. Ah, du coup, on va peut-être terminer là-dessus, vu l'heure, puisque. Ouais, bah, je suis en train de newser les résultats, justement, sur le site, hein, pour que vous l'ayez dans les flux RSS. D'ailleurs, il faudrait s'activer un peu, hein, parce que j'ai toujours pas vu les matchs d'hier, moi. Ils sont pas sur YouTube encore? Ah, j'ai pas regardé sur YouTube, j'ai juste regardé sur votre site et sur le stream. Bah, sur Twitch en direct, normalement ils sont enregistrés les matchs, t'as des replays en brut, Silo. J'ai peut-être mal cherché alors, parce que le dernier qui m'était en liste c'était celui des Spikes ou je sais plus quoi. Normalement ils sont. Ah oui, il m'en restait un, j'en ai mis un en ligne ce soir juste avant de démarrer le stream, et c'est vrai qu'il en restait un que j'avais pas fait. Donc tu dois tous les avoir sur YouTube même maintenant. Voilà. Si je l'avais perdu ce soir, ça aurait été la faute à Ad. Boss, ce qu'il me demande, ils veulent le spoil de ma panneau. Ils veulent le spoil de quoi? Ça se spoil pas. De sa panneau. Il a déjà été gentil de vous montrer son corps à cause de moi. Non, la panneau était classique. On n'a pas de surprise. C'est une Alistair Mévarque avec des daguerres. Non, je parlais de Boss qui disait s'il voulait savoir sa panneau. Boss Mickey, il était au bon melon. Hein? Non. Même pas? Non. Il était en panneau, attends que je te dise, pas de bêtises, Grand Duc et Bronze. Ah, il va, on l'a déjà vu cette panneau de la Major Joel Guild. Ouais. C'est pour ça qu'il tape aussi peu à la coco alors. C'était pas à cause des retours du bâton. Ah, si. Oui, aussi, mais bon, Grand Duc Bruce, ouais, ça fait un petit BLM. Bah, en fait, en la base, on était parti là-dessus, c'était plus au final, on n'est pas spécialement servi. Mais on était parti dessus pour. Comment? Bah, en fait, pour la zone de l'EPCS. On se dit comme ça, on pouvait taper les bombes plus un joueur en même temps. Enfin, en fait, la zone de l'EPCS, les pédiops, ça me semblait plus intéressant. Mais, ouais, c'est vrai que la zone final, est un peu plus souple. Voilà, au final, ça a plus été souvent. On va pas en rien, on a même pas eu à jouer la zone. Bah ouais, c'est sûr, parce que là, les PCL, vous en avez fait qu'une seule, et il a pas servi à grand chose. Bah en fait, on espérait tuer le sac sur les PCL. Avec les armures sur tout le monde, c'était quand même un pari risqué. En fait, on y a pensé qu'après. Sur le coup, j'étais tellement un peu pris par le temps, par. faut pas le décimer. C'est sûr. Et bah du coup, bah merci d'être venu, Psylo. Ouais, merci de passer. Ouais, quand vous voulez. Bon, on va s'arrêter ici. Rendez-vous demain 17h donc. Anne. Demain 17h, alors ce sera avec Master et je ne sais qui, hein, puisque moi je pourrais. Dehors, bien, moi c'est une petite fin d'après-midi pair avec juste la deuxième demi-finale. Ouais, il faudra que tu leur prépares le goûter, Master. Hein. Le goûter, oui. Bon, allez, à demain, à tous. Et, ouais, salut. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.